lors de la première partie, je vous avais laissé sur un coup du soir vraiment plein d'espoir. Et au final, la nuit a été un petit peu décevante. C'est vrai que ça n'a vraiment pas bougé des masses. Mais malgré tout, les poissons étaient vraiment présents sur le coup. On voyait pas mal de fouilles, de diverses manifestations. Vraiment, les poissons étaient là. Mais visiblement, ils avaient vraiment la bouche cousue. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est de retour sur le même plan d'eau. Les conditions de pêche sont un peu les mêmes. Il fait très très chaud la journée. Donc pour le moment, il ne s'est pas passé grand-chose. Et mis à part cette fois-ci, je pêche un autre spot, un peu plus loin. J'ai misé vraiment sur la pêche sur le fond dur. Donc là, pour ça, je pêche à une distance d'environ 100-110 mètres du bord. Et cette fois-ci, donc, j'utilise le nouveau subline fuselé. Donc c'est un nylon qui présente l'intérêt, la grosse particularité en fait d'avoir une tête de ligne intégrée. Donc on ne retrouve pas de nœud. L'intérêt, c'est que lorsque le fil passe dans les anneaux, on n'a pas de frottement. Donc pas de risque de casse ou de perruque ou de choses comme ça. Et là, visiblement, donc, j'ai expédié mes montages à une distance d'environ 100-110 mètres. Ça se jette vraiment tout seul. Donc là, Corda a vraiment mis la barre très haute. On connaît tous les propriétés du subline qui coule vraiment très bien. Et là, cette fois-ci, donc en plus de ça, le nylon se lance vraiment très très bien à longue distance. Donc là, on obtient vraiment quelque chose qui est très polyvalent et qui s'utilise dans tout type de pêche. Donc là, les lignes sont posées. Je viens d'amorcer également. Comme mon habitude, j'aime pêcher vraiment très précis. Donc là, j'ai marqué mes cannes avec le marqueur élastique. J'ai marqué mes trois lignes juste après le détecteur avec un petit morceau d'élastique. Donc là, ça me permet, si je fais un poisson maintenant en pleine nuit, tout simplement de reclipper ma ligne et j'arrive à atteindre mon spot très facilement. Donc là, tout est en place, les lignes sont tendues, il n'y a plus qu'à attendre. On va espérer que la nuit qui vient sera un peu plus prolifique que la dernière partie. Ça va être très difficile quand même. Les conditions de pêche sont un petit peu similaires, il fait très chaud la journée, donc je ne me fais pas de doute là-dessus. En plein après-midi, en pleine journée, ça risque d'être très, très difficile. Mais je pense que la nuit, il y a la place pour faire quelques poissons. Ce que je vais faire également juste après, je vais vous faire voir l'amorçage, ce que j'ai disposé sur mon spot. Et j'espère que les poissons seront coopératifs cette fois. Comme je vous l'avais annoncé précédemment, je vais maintenant vous présenter l'amorçage que j'ai disposé sur mon cou. Donc comparé à la dernière fois, il n'y a pas grand chose qui diffère. Hein. Comme d'habitude, le bon vieux chaîne vie. Donc ça constitue toujours la base de mon amorçage. Avec quelques petites tiger nuts concassées. Donc ça apporte aussi un peu la touche visuelle, le petit côté blanc, j'aime bien. Donc ça, je vais en mettre 3-4 pelles dans un bucket. Plus là d'ailleurs, je vais en profiter du soir. Je pense qu'il y a quelques poissons sur le cou. Je vais tout de suite redisposer quelques spots sur le cou histoire de faire descendre les poissons. Je pense que ça peut les activer et visiblement l'activité commence à augmenter. Donc je pense que ça peut être sympa. Donc je disais 3 pelles de chaîne vie et de tiger concassées. Ensuite, je rajoute un petit peu de response pellets mainline. Donc là, ceux-ci sont aromatisés the cell. Ça colle pas mal avec les banoufis et ça apporte aussi un petit plus au mix. Par contre, j'en mets pas trop, comme il y a pas mal de poissons blancs et surtout des brèmes, j'évite quand même d'en mettre de trop grandes quantités. Ensuite, au niveau des liquides, je rajoute un petit peu de sirop banoufi. Donc ça permet au mix, entre autres, de travailler dans différentes couches d'eau. C'est-à-dire que s'il y a des poissons en surface ou entre deux eaux, ça leur permet de descendre sur le cou plus facilement et j'espère trouver mes zèches. Donc là, on peut y aller généreusement. Et la petite touche finale, donc ça, bien sûr, on vous le présente plus, le goût. Donc là, je vais mettre quelques gouttes également de goût caramel. Ça colle toujours bien avec le banoffee et puis forcément, ça rajoute la petite attraction supplémentaire. Voilà. On mélange bien le tout. Et là, on obtient vraiment quelque chose de très attractif que je vais laisser reposer celui-ci quelques temps, histoire que les particules s'apprêtent bien du sirop et du goût. Et je pense que les poissons doivent apprécier aussi.
Comme vous pouvez le voir, il fait déjà très chaud. Il est 11h du matin, mais malgré tout, la nuit a porté ses fruits. J'ai une belle commune dans la Mosling là, que j'ai prise ce matin assez tôt. Visiblement, elle est bien gentille. On va bien vérifier que ses nageoires sont bien collées contre le flanc. Et on va pouvoir voir le poisson tout de suite. Et voilà le poisson de la nuit. Une belle commune que j'ai prise sur l'amorçage que je vous ai présenté hier soir. Comme mon habitude en ce moment, j'ai présenté une petite banoffee équilibrée avec une milky toffee boostée au goût amande. Encore une fois, la combinaison, c'est vraiment la combinaison du moment. Ça fonctionne très très bien. Et visiblement, les poissons en raffolent aussi. Ça a été un petit peu compliqué quand même. Là, on est sur les coups de 10-11 heures déjà le matin. Il fait très chaud. Je pense que la journée qui suit va être très calme. Mais on va tout faire pour réitérer la même opération dès ce soir. Et j'espère vous présenter encore un beau poisson au courant de cette session. En tout cas, c'est un beau poisson et c'est une belle commune qui fait déjà bien plaisir. Ça y est, visiblement tout ce qu'on a mis en place a fini par payer de la plus belle des manières. La nuit a été bien mouvementée, j'ai fait 6 touches. Pas des très gros poissons, mais ça a fini par bien rentrer sur le spot. Ah, vraiment cette superbe commune, vraiment tout en longueur, vraiment un beau poisson sauvage. Ça fait vraiment plaisir de prendre des poissons comme ça. En plus, elle a une superbe couleur. Vraiment magnifique. J'ai aussi encore sa grande sœur dans un sac de conservation et je vais vous la faire voir tout de suite. Et voilà le plus beau poisson de la nuit, une belle commune. Ça a vraiment été une nuit bien pleine, j'ai eu des départs très réguliers, mais bizarrement tous sur la même canne. Toujours la petite banoufie boostée au goût amande. Tous les poissons ont pris là-dessus et visiblement en plus elles ont bien mangé. En les sortant des sacs, on avait pas mal de résidus. Et là, ça fait bien plaisir. Tout ce qu'on a mis en place, ça a enfin fini par payer. 6 touches sur la nuit avec 2 beaux poissons. C'est vraiment pas mal. En plus, c'est vraiment des poissons sympathiques, des belles communes. Bref, ça a fini par payer et c'est pas plus mal. Allez, elle est bien excitée, on va la remettre à l'eau.